alors là. Alors j'ai reçu pour mission de monsieur le maire de vous accueillir pour cet événement important que nous souhaitions à nos gens depuis de nombreuses années et qui se réalise enfin, pouvoir graver dans le marbre, dans toute notre révolte, face à des faits intolérables qui se sont déroulés dans un pays, notre pays, la France, qui se targue pourtant d'être le pays des droits de l'homme. De nombreuses personnalités officielles ont répondu à notre invitation, les membres des familles des victimes bien entendu, monsieur Attal, frère Sarah Halimi, et monsieur Knoll, dont nous saluons la présence parmi nous. L'ambassadrice d'Israël en France, madame Yael German, est également en chemin, elle nous fera l'honneur de sa présence. Le maire, la municipalité sont honorés de la présence de monsieur le sous-préfet Bachar Bakhti, de monsieur le député Mathieu Lefebvre, de madame la vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture, Déborah Menzer, de nombreux élus locaux de nos gens, du territoire Paris-Est, Marne et Bois, mais également au-delà, puisque Katia Coppi, maire des pavillons sous bois, nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes également fiers de pouvoir saluer la présence d'un très grand nombre de représentants de cultes, de tous les cultes et des communautés, et notamment M. Alain Lefebvre, représentant du Consistoire central, Gérard Ruzan, président du Conseil des communautés juives du Val-de-Marne et de la communauté consistoriale israélite Nogent Le Père Lebri, ainsi que son épouse Sylvia, le rabbin Lassri, le père Gilles Godlewski, Marie-Josée Marais, chargée des relations extérieures de l'Institut biblique de Nogent, et je m'excuse par avance, car je ne pourrais pas citer tout le monde, tant je sais que notre invitation a dépassé le cadre très largement que nous étions fixés. Donc cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Monsieur le maire fera son intervention, suivi de Stéphane Bitton, conseiller municipal de Nogent-sur-Marne qui a porté ce projet. Puis la parole sera donnée aux familles, bien évidemment, Monsieur Attal et Monsieur Knoll. Nous dévoilerons ensuite la plaque hommage à Mesdames Halimi et Knoll, qui se situe sur la gauche de l'estrade. L'artiste Jean-Loup Autonin-Girard, grand artiste local, remettra également ensuite aux familles les magnifiques portraits qu'il a réalisés spécialement en hommage à Mesdames Knoll et Halimi. Enfin, vous serez invité à déposer une rose blanche qui vous sera distribuée autour de la plaque de marbre au son du violon qui sera joué par un jeune violoniste très talentueux que nous remercions chaleureusement pour sa prestation. Et je laisse maintenant la parole à Monsieur le maire. Arrive, bien sûr, elle est sur le chemin, mais je salue Madame l'ambassadrice d'Israël, mais surtout Monsieur le sous-préfet, ici présent, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de culte, Mesdames et Messieurs. Au nom de la ville de Nogent-sur-Marne, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous. Parmi nous aujourd'hui, spécialement, après, bien sûr, un événement Val-de-Marne qui se déroulera ce soir pour la communauté juive à Villiers-sur-Marne. C'est un moment important et si important que représente l'inauguration de ce jardin en la mémoire de Sarah Halimi et de Mireille Knoll, toutes deux assassinées parce que juives, dans des conditions tragiques que nous connaissons. À presque un an d'intervalle, Sarah et Mireille ont été les victimes d'un même fanatisme, d'une même haine. Cette haine qui a déjà emporté tant de nos concitoyens, une haine que nous ne voulons pas, que nous ne voulons plus. Associer leur nom au sein
d'un espace public. Et donc pour nous, plus qu'un symbole, c'est un message. Un message d'abord de solidarité, de fraternité aux familles, aux proches, pour leur exprimer notre soutien total dans leur combat et leur quête de justice. Je leur redis aujourd'hui, nous sommes à vos côtés, nous nous souvenons. Un message de fermeté que nous adressons cette fois à toutes celles et tous ceux qui voient dans notre civilisation, dans nos valeurs, dans notre façon de vivre, un édifice à abattre. Oui, la France est en état de guerre. Mais certains font semblant de ne pas le reconnaître. Par lâcheté, peut-être. Par aveuglement, peut-être. Mais des fois, sûrement. Ce n'est pas notre cas ici, réunis aujourd'hui et demain. Comme dans toutes les guerres, la première chose à faire est de nommer qui, celui qui attaque notre modèle républicain. C'est l'islamisme radical qui est à la source d'un certain nombre de drames comme celui qu'ont vécu nos sœurs que sont Hélène, Sarah et Mireille. Depuis 2012, cet islamisme radical a causé la mort de 271 de nos concitoyens, dont Sarah et Mireille, et fait près de 1200 blessés. Dans nos maisons, nos écoles, nos salles de concert, nos bars, nos restaurants, nos rédactions de journaux, nos églises, nos synagogues, nos mosquées, nos temples, nos rues, la folie des terroristes frappe aveuglément de la manière la plus lâche et la plus impitoyable. Chaque année, nos forces de l'ordre, que l'on remercie ici une nouvelle fois, déjouent à temps plusieurs dizaines de nouveaux attentats qui visent à ensanglanter un peu plus le sol de France et qui ne sont pas l'œuvre macabre de fous isolés et solidaires, mais bien l'expression violente et organisée, souvent, d'un obscurantisme assassin. Nous sommes donc engagés dans un combat quotidien, dans une lutte où la finalité est la mort, puisque l'islamisme radical et la République ne peuvent coexister. Le premier ne reconnaissant pas l'autre, comme le font les Juifs de France, y compris lors des prières principales que l'on vient d'entendre durant le mois de septembre et début octobre. Par contre, l'idéologie mortifère des terroristes, il nous faut célébrer la vie. À leur haine et leur volonté de nous diviser, nous répondrons par l'amour et la cohésion nationale, par l'humanisme. Face à leur ignorance et leur aveuglement, nous brandirons toujours notre volonté inébranlable de vivre ensemble. Je suis fier de voir parmi vous aujourd'hui de nombreux représentants nojentais et d'ailleurs des cultes avec lesquels nous travaillons au quotidien pour justement continuer à faire de Nogent cette ville qui a vu naître et grandir Sarah Halimi. J'ai eu la chance de sortir du même collège, du même lycée qu'elle. Cette ville qui nous est si chère à tous, une ville où chacune et chacun trouve sa place et puisse vivre sa foi librement dans le respect des lois de la République.
Le combat dans lequel nous sommes toutes et tous engagés est un combat permanent que nous ne sommes pas finis de mener et dont nous sommes très fiers. Pour Sarah, pour Mireille et pour nous tous, je vous remercie et donne maintenant la parole à Stéphane Bitton, conseiller municipal qui a porté ce beau projet avec ses amis et mon total, bien sûr, soutien. Le plus beau cercueil, chers amis, que nous pouvons offrir à Sarah et Mireille, c'est notre cœur et notre mémoire. Merci. Bravo. Merci, monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Nogent, madame l'ambassadrice d'Israël, je ne sais pas si elle nous a rejoint, monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, je salue ma collègue, l'adjointe à la culture, Déborah Menzer, messieurs les représentants des cultes et les représentants des présidents de communauté, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui en présence de Willem Attal, frère de Sarah Halimi, et de messieurs Daniel et Alan Knoll, fils de Mireille Knoll, pour rendre hommage à Sarah Halimi et Mireille Knoll, sauvagement, lâchement assassinés parce que juive. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces monstres qui ne représentent rien, que je ne nommerai pas car ils ne représentent rien pour nous. Je ne vais pas vous parler de la lutte contre l'islamisme radical, contre l'obscurantisme, qu'il faut combattre dans notre pays et partout dans le monde. Je ne parlerai pas des erreurs que certains responsables politiques ou médiatiques ont commises, ou donneurs de leçons à trop vouloir comprendre pourquoi ces monstres en sont arrivés là, et à leur trouver une circonstance, un prétexte, presque une excuse. Je ne vais pas vous parler de l'indispensable unité et solidarité que nous devons tous avoir et faire preuve aux côtés des familles des victimes pour les soutenir, mais surtout leur garantir que plus jamais nous n'aurons à dédier une place, un jardin ou une rue suite à un homicide en raison de l'appartenance de la victime à une religion, une croyance ou tout simplement à une liberté de pensée si chère à nos valeurs républicaines. Nous sommes réunis aujourd'hui pour Sarah Halimi et Mireille Knoll, parce que citoyens juifs et non-juifs de la France tout entière, nous avons l'obligation de mener collectivement ce combat contre l'amnésie, la cécité, l'intolérance et l'obscurantisme. Aujourd'hui, à Nogent-sur-Marne, dans notre belle ville de l'Est parisien, avec l'autorisation de Monsieur le maire, Jacques Lippé-Martin, je souhaiterais vous parler de Sarah Halimi et Mireille Knoll. Sarah Halimi est née le 30 novembre 1951 dans la maison familiale du 5 bis rue de Beauté, du Val de Beauté à Nogent. Elle, ainsi que sa famille, y ont vécu de nombreuses années. Une fois son bac en poche, Sarah se lance dans les études de médecine, un choix ambitieux pour cette jeune femme qui a grandi dans un milieu modeste. Et dont les parents, Marcel et Alice, vendent des légumes sur les marchés. Elle travaille sans relâche, avec acharnement et détermination. Quelques années plus tard, à 27 ans, Sarah décroche son diplôme pour lequel elle s'est tant battue, mais renonce à sa carrière pour fonder une famille. Sarah Attal rencontre son futur époux, et quelques mois plus tard, ils se disent oui dans la salle des mariages de Nogent-sur-Marne. Sarah Attal devient Sarah Halimi. À 32 ans, elle postule en tant que directrice de crèche à Paris et obtient le poste pour se consacrer de toutes ses forces à accompagner les jeunes enfants et leurs parents. Cela deviendra l'œuvre de sa vie. Sarah sacrifie tout son temps à ses trois enfants et à ceux des autres. Elle fait preuve d'un engagement personnel qui dépasse de loin le cadre de ses responsabilités. Elle s'investit nuit et jour, jusque dans le moindre détail. Un enfant qui pleure est un enfant qui a des choses à dire, dira-t-elle à ses filles lorsqu'elles deviendront mères à leur tour. Sarah Halimi était une maman. Une maman qui recevait des enfants, d'autres mamans, et qui leur transmettait des valeurs essentielles comme le respect de chacun et l'amour de son prochain. Elle savait insuffler l'amour chez les enfants, témoignera l'ex-dirigeant de la crèche lors de la cérémonie en sa mémoire un mois après son décès.
Elle transmettait une flamme, une sensibilité, une pureté à ses enfants, témoignera-t-il. Elle qui avait toujours fui la lumière et évité le conflit rend son dernier souffle dans les cris de la brutalité lorsqu'un monstre apparaît dans son appartement au beau milieu de la nuit pour l'abattre pendant près d'une heure avant de jeter son corps par la fenêtre en hurlant j'ai tué le Satan du quartier. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, son assassin ayant consommé de la drogue passe par l'appartement du voisin, pénètre par le balcon de Sarah et la massacre à coups de poing, tout en l'insultant, et le tout ponctué des sourates du Coran. Derrière la porte, pendant 20 minutes, 9 policiers, gilets pare-balles, lourdement armés, entendent les hurlements de la victime, mais n'ont pas l'ordre de pénétrer dans l'appartement. Et pourtant, un voisin leur donne la clé. En France, contrairement à d'autres pays européens, le droit permet qu'une bouffée délirante liée à la consommation de stupéfiants entraîne une irresponsabilité pénale. En clair, la prise de drogue a été un permis de tuer Sarah Halimi. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'un scandale judiciaire. Certes, le caractère antisémite a fini par être reconnu par la justice, mais le meurtrier n'est pas condamné, jugé irresponsable. Il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique à Saint-Maurice, dispose d'un téléphone portable, sort tous les jours à 14h30, libre et sans surveillance. La ville de Nogent, représentée par son maire Jacques J.P. Martin, s'associe au combat que mène la famille Halimi pour que justice soit faite et surtout qu'un tribunal condamne sévèrement ce barbare. Nous avons une tendre pensée pour William Attal, présent parmi nous, le frère de Sarah, pour sa sœur Béatrice, pour Roselyne, pour les enfants, Sarah, Jonathan, Anna et Elisheva, et pour ses 15 petits-enfants. Sachez, William, que la ville est solidaire de votre combat et de votre souffrance. Alan et Daniel, je vais vous parler de votre maman, de la grand-mère qu'elle a été, de l'arrière-grand-mère. Mireille Knoll est née le 28 décembre 1932 à Paris. Fils d'Emilio, tailleur de métier, né en Ukraine, et de Sarah, originaire de Varsovie. La famille habitait dans le Marais, au 41 rue Turenne, un quartier très modeste à l'époque. En 1940, les parents décident d'envoyer Mireille et son frère à la campagne. Emilio, le papa, est arrêté et emprisonné au camp de Goertz, dans le sud de la France. Peu avant la rafle du vélodrome d'hiver, en juillet 1942, avec sa mère et son frère, Mireille quitte la ville de Paris pour Montauban et passe la ligne de démarcation. Par chance, le papa est libéré et la famille part un an à Lisbonne et ensuite 9 mois au Canada avant la libération de Paris. À 16 ans, Mireille rentre en France après la libération et rencontre Kurt Knoll, un juif autrichien rescapé d'Auschwitz. Ils travaillent ensemble dans un atelier de couture. Ils se marient un an plus tard. Le couple a 2 enfants, Alan et Daniel. Alain et Daniel, dans le livre que vous avez écrit en mémoire de votre maman, c'est fait maman aux éditions Kero. En introduction, vous avez écrit « Maman a toujours été romanesque, à travers ses amours, ses rêveries, ses rencontres, son parcours qui incarnait tellement le cosmopolitisme. Pourtant jamais le nom de Mireille Knoll n'aurait dû devenir célèbre. Jamais nous n'aurions dû voir le portrait de notre mère dans les journaux, sur les écrans de télévision, sur les pancartes ou les façades de monuments. » Jamais, maman n'a jamais voulu faire parler d'elle. Jamais endosser aucune responsabilité particulière. Elle avait vraiment horreur de cela, dit-on. Et elle nous pardonnera de le dire, car nous ne le cachons pas, c'était même son pire défaut. Nous aurions voulu simplement que Mireille Knoll ne devienne jamais un symbole, qu'elle reste simplement maman, connue de nous seuls, ses 2 fils, et du reste de la famille, de ses amis et de ses voisins. Et pourtant, 12 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, 24 ans, 6 ans après l'assassinat de Jonathan Sandler, 30 ans, ainsi que ses 2 fils, Gabriel, 4 ans, et Arié, 5 ans, et Myriane Monsonego, 7 ans, à l'école aux Aratoras de Toulouse, 3 ans après l'attentat d'Hypercacher, et l'assassinat de Johan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans, Yoav Atta, 21 ans, et moins d'un an après le meurtre de Sarah Halimi, l'histoire se répète encore. Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la Shoah, est assassinée. Assassinée parce que juive. Violemment poignardée par 2 barbares, de 11 coups de couteau. Et brûlée.
deux meurtriers de 21 et 28 ans s'attaquent à une personne vulnérable âgée de 85 ans, handicapée par la maladie de Parkinson et ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant. Selon la justice, le caractère crapuleux est alimenté par la haine en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive et par des préjugés et des croyances que des richesses puissent être dissimulées dans le logement de Banaknol. Contrairement au cliché qui associe les juifs à l'argent, comme Sarah Halimi, Mireille Knoll vivait modestement dans un HLM d'un immeuble parisien depuis près de 60 ans. Comme vous l'avez précisé à l'année Daniel, en introduction dans le livre dédié à votre maman, ce ne sont plus les nazis, mais une autre espèce de barbare qui vit ici en France, dans notre pays. Et votre maman était morte de tout ce qu'il avait fait vivre. Elle était l'incarnation du vivre ensemble. Elle aimait les gens. Avait en eux une confiance infinie, loin de tout a priori, elle les accueillait les bras ouverts. Elle était appréciée de tous, ses amis, ses voisins, par les commerçants de son quartier qui la trouvaient douce et souriante. Son ouverture d'esprit et son originalité rendaient heureux tous ceux qui l'ont côtoyée de près ou de loin. Elle saisissait toutes les occasions de fêtes religieuses ou païennes. Elle aimait la Nokia Pascal de la fête juive, la galette des rois chrétiennes, les délicieux gâteaux de l'Aïd. Mais avant tout, elle aimait parler, rencontrer, rire, danser, chanter, même jusqu'au dernier jour. Sarah Halimi et Mireille Knoll ont été assassinées parce que des islamistes radicaux sont remplis d'ignorance, d'agressivité, de mensonges et d'amalgames. Ils font une interprétation mensongère de la religion musulmane. Ils en veulent à notre culture et nos valeurs républicaines. Notre devoir est de les combattre et de ne jamais céder à leur chantage. Alors il n'est d'aucune bonne raison pour expliquer le comportement des assassins. Le conflit israélo-palestinien, la géopolitique internationale, le contexte socio-économique, ni pour ne pas avoir vu ce qu'était Mera, un terroriste islamiste qui voulait tuer des juifs, et pas que. Le résultat, faute d'avoir compris à temps la dimension réelle du problème, la manifestation d'une nébuleuse terroriste islamiste. Désormais, chacun d'entre nous peut en être la victime, dans un café, dans une salle de spectacle ou en assistant à un match de foot. Si d'aucuns au moment de l'attaque de l'école juive pourraient se croire à l'abri du danger, aujourd'hui, face au djihadisme, il n'y a plus de sanctuaire. Tout le monde est juif. Lier l'assassinat de Sarah Halimi et Mireille Knoll à l'attentat contre l'école aux Oratoras de Toulouse n'est pas un artifice. C'est identifier ce qu'ils ont en commun, le fait que les victimes étaient juives, choisies et désignées en tant que telles pour mourir. On y retrouve également la même obstination à ne pas avoir les faits, ce qui a prévalu des années durant, pendant la rafle du Vel d'Hiv, où l'on n'a pas voulu reconnaître la responsabilité de l'État français, comme s'il s'agissait d'une parenthèse inexplicable de l'histoire. Alors admettre que dans notre pays il y ait des failles, ou que dans notre histoire, même récente, il y ait des tâches, des erreurs, ou que des erreurs ont été commises, ne remet en aucun cas la grandeur de notre nation. Bien au contraire, c'est en les cachant et en récidivant que progressivement on s'avilit. Reconnaître les faits avec hauteur et objectivité, c'est grandir et donner la possibilité de transmettre des valeurs claires aux générations à venir. C'est tracer une frontière explicite entre le bien et le mal, entre ce qui est admis et ce qui ne peut et ne doit pas être toléré, sous peine que cela ne se reproduise et s'amplifie. C'est à cette seule condition que l'on arrive à identifier la nature profonde de l'ennemi qui travaille à notre perte et que l'on peut se doter d'armes appropriées pour la combattre. Léon Blum disait « Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté ». On pourrait énumérer les personnalités d'origine juive qui ont apporté une contribution substantielle à la France. Mais à mon sens, l'essentiel n'est pas là. L'enseignement le plus important est ce que la communauté juive, à titre collectif et dans sa pluralité, a réussi à faire face aux vicissitudes de l'histoire, c'est-à-dire à rester soi-même, unie dans sa diversité, sans renier aucune de ses valeurs face à la barbarie. Rester humain, là où l'inhumanité règne dans l'univers concentrationnaire ou face au terrorisme. C'est tirer les enseignements du passé grâce à la transmission, se préparer à l'avenir afin que cela ne se reproduise plus. C'est de cela dont la France a besoin. Et ne l'oublions pas. Non pas de l'amnésie, car les faits sont têtus.
et toute tentative de réécriture de l'histoire est vouée à l'échec. La lutte contre l'islamisme ne doit pas être la cause de quelques-uns, mais la préoccupation de tous. À l'image de ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Manuel Valls en 2014, lors d'un hommage aux victimes du Vel'd'Hiv, s'en prendre à un juif, c'est s'attaquer à la France. Et cela à double titre, non seulement parce que les Français juifs sont là pour la République, avant tout des citoyens français, mais également parce que bien souvent, ils ne sont que les premières victimes d'un mal plus général. S'en détourner ou ne pas en tenir compte n'empêchera pas le mal de progresser. Mais bien au contraire, cela mènera à une catastrophe. Aussi, il n'y a pas d'autre choix. Pour Sarah Limi et Mireille Knoll, pour la France tout entière, nous devons mener collectivement, citoyens juifs et non-juifs, ce combat contre l'amnésie, la cécité, l'intolérance et l'obscurantisme. À 2 mois et demi de la rentrée, nous avons une tendre pensée pour Samuel Paty, qui ne faisait que son devoir de professeur, qu'il exerçait avec passion, et dans la seule motivation était de transmettre. Et nous avons évidemment une pensée pour toutes les victimes du terrorisme et de l'obscurantisme. Merci à tous. Parole à William Attal, le frère de Sarah Ali. Merci à tous d'être venus. Encore une fois, honorer la mémoire de ma sœur Sarah Halimi et la mémoire de Mme Mireille Knoll. Je veux d'abord saluer Monsieur le maire, Monsieur Jacques Martin, un ami fidèle de notre communauté. Je suis stupéfait devant le courage de M. Jacques Martin. Et je félicite également le travail de Stéphane Dutton. C'est un travail magnifique. Je voudrais saluer la présence hypothétique de notre ambassadrice générale. Bien sûr, saluer et remercier la présence de Monsieur le député. Monsieur le sous-préfet. L'ensemble du conseil municipal de Nogent, de nos rabbinim, présents ou représentés, Rav Lasry, les enfants de Rav Manan, de nos présidents de communautés qui ont été là, qui nous ont soutenus, M. Luzan, Mme Luzan, merci. Je voudrais bien sûr avoir un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, pour mes deux avocats, Maître Menki et Maître Bloch, président et vice-président de l'OJE, Organisation juive de défense, qui défend les victimes d'assassinats de juifs en France. Et ceci avec leur cœur, et bien sûr, sans honneur. J'ai une pensée. Quelqu'un
j'ai une pensée pour Naomi Aliwa. Naomi Aliwa, c'est une rencontre exceptionnelle que j'ai faite un mois après le décès de ma soeur. Elle était à l'époque journaliste à Actualité juive. Elle est maintenant journaliste à U24. Sans elle, qui a été une des premières actrices, qui a mobilisé, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Sarah Libby. Merci Naomi. Elle est présente comme journaliste U24. J'ai tellement de personnes à remercier. Alors, d'abord une explication. Je sais que je n'aurai pas beaucoup de temps de parole. Mes parents sont arrivés en 1947 d'Algérie, de Constantine et de Guelma. Mon grand-père était le frère du père d'Enrico Macias, la famille Guenassier. Et ils se sont installés à Nogent-sur-Marne. Et le frère de ma grand-mère, M. Saxic Martin, a été le premier président de la communauté juive de Nogent-sur-Marne. Le rabbin Maman, Yichono Lebracha, le père du Rav Ari Maman, a été le premier rabbin de cette communauté. Et c'est lui qui a fait le chidour entre ma sœur et l'élève du Rav du Rouvre, le Rav Rotenberg Zatzal. Et effectivement, ils se sont mariés à Nogent-sur-Marne. Et je m'en souviens, j'avais 20 ans. Et toute la yeshiva est venue, du Rouvre, est venue à Nogent-sur-Marne. Et on a été très honorés de recevoir des demandes de nomination de rue de Madame la maire de Paris, Madame Hidalgo, du maire, de la maire de Strasbourg, de Marseille. Mais quand, en avril 2000, 21, on nous apprend que l'assassin ne sera jamais jugé, ne sera jamais condamné, ne fera jamais un jour de prison. On ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas, parce qu'on voulait avant tout la justice pour Sarah, la justice. Et puis on a été contacté par monsieur le maire, et monsieur Dutant. Et là, Nogent-sur-Marne, c'est la ville. Ma sœur est née à 300 mètres d'ici. 300 mètres. Elle a accouché dans la maison familiale. Mon père a construit boulevard Gambetta, en face de l'école Montalembert, la maison familiale. On a vécu toute notre vie. Chaque rue, chaque pierre a une histoire. C'est l'histoire de nos gens. C'est la mienne. C'est celle aussi de M. Jacques Martin. Et nos gens, c'est ma ville. On peut avoir quitté le genre. On peut même avoir changé de pays. Moi, je reste de cœur le Jean-Tel, de cœur. Le Jean, c'est ma ville et je l'aime. Et j'y ai vécu toute ma vie. Sarah Aligny a vécu 27 ans. Lucie Attal a vécu 27 ans. Et ensuite, elle s'est mariée. Et elle revenait régulièrement à le Jean. La famille de Sarah Aligny possède encore un appartement à Nogent, parce que malheureusement, ma sœur Rosie Natale est décédée du Covid il y a 2 ans. Donc, Nogent, on l'aime pour son cinéma, le Palace, on l'aime pour son stade sous la lune, il ne porte plus les mêmes noms. Bon, Nogent, on l'aime pour sa sécurité. Comment ? On l'aime, je veux dire, ma sœur a tout vécu, on a tout vécu à Nogent, et on le doit à votre prédécesseur aussi, oui. M. Roland Nagesser, qui était un ami à mon père. Et on le doit énormément au travail incroyable de M. Jacques Martin. Il y a le maire de Saint-Mandé, M. Julien Veil, qui a écrit un article et qui a cité la vie de Nogent parmi les 5 communes où il est le mieux d'éduquer nos enfants. Nogent fait partie des 5 villes communes de France. Ça ne m'a pas surpris. Après les remerciements, je vais
je vais parler un tout petit peu de l'affaire Sarah Lee. Un tout petit peu. La famille, les enfants de Sarah Lee que j'ai au quotidien, ne s'en remettent pas. Il faut savoir que ma soeur Sarah Lee, c'est le nombre de parents que je rencontre, le nombre d'histoires qu'on me raconte. Sarah Lee s'est occupée des enfants de plusieurs grands rabbins de France, le rabbin Gilles Bernheim, le rabbin Lemel. Ma sœur avait une noblesse d'âme, une droiture. C'était une grande dame qui s'est dévouée. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne de cette qualité ait pu finir dans les mains de cet obscurantiste, de ce monstre, qui a prémédité l'assassinat de ma sœur? On le sait tous depuis la commission d'enquête parlementaire. On le sait encore plus maintenant. Bien sûr que l'assassinat a été prémédité. Tous les amis de commis de travaux étaient prévenus. On connaît tout, une grande partie de l'histoire maintenant. C'est terrible. Ce sous-préfet, c'est terrible. C'est pas possible. C'est pas possible que 50 policiers présents lors de l'assassinat ne soient pas intervenus. C'est pas possible, je voulais pas en parler, mais c'est pas possible. Il faut revoir les conditions d'intervention. De la même manière que c'est pas possible, comment voulez-vous qu'on fasse notre deuil alors que l'assassin, depuis 2 ans, est dehors, qui retourne régulièrement sur le lieu de son assassinat? On le sait, on a les témoignages, c'est pas possible. Alors bien sûr, on pense à l'affaire de la petite Lola. Et les problèmes de l'irresponsabilité. Peut-on rendre, laisser irresponsable, laisser sans jugement, laisser sans un jour de prison des auteurs de tels actes de cruauté? Comment c'est possible? C'est pas possible. Oui, la prison ou l'hôpital, mais pas rien, mais pas la liberté. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Comment voulez-vous que les familles fassent leur deuil? On ne peut pas faire notre deuil en sachant la vérité, puisque la vérité, on la connaît maintenant. La vérité est terrible. On connaît la vérité. La vérité, elle est terrible. Terrible pour ma sœur, terrible. Alors, je n'irai pas plus loin, mais... En tout cas, je vous remercie tous d'être présents. C'est vrai que vous avez un cri du cœur à passer également. On en a marre. On en a marre, nous, les Juifs, d'être toujours, toujours les boucs émissaires de l'histoire. Toujours. Traoré, il a vu dans la pauvre Sarah Halimi, il a vu le bouc émissaire de ses échecs de vie. On est, et encore et toujours, le bouc émissaire de l'histoire. Encore les responsables des malheurs des autres. On ne veut qu'une chose, nous, Juifs de France, nous, Juifs, nous, Français de confession juive, on ne veut qu'une chose. C'est vivre dans notre cher pays, la France. De vivre. Avec tous nos compatriotes. C'est tout ce qu'on désire. Merci. Juste, j'ai oublié mes amis, je suis venu. Mes amis Daniel et Alain Cohen. Après William, et toutes les belles paroles et tout ce qu'il a dit est très émouvant, ça va être dur. Et Dieu sait, nous le comprenons. Je vais reprendre certaines choses qu'il a dit.
notamment nous aussi, mon frère et moi, on est très très heureux d'être associés, malgré ses malheurs, à Sarah et Mimi. Une cause que nous défendons depuis le début. Je tiens à remercier Monsieur le maire de Nogent, Monsieur Jacques Martin, Madame Son Excellence l'ambassadrice d'Israël, Madame Yael Guermand et Monsieur Fares Saïd. Tous les députés et sénateurs ici présents, et bien sûr aussi Monsieur Stéphane Bitton, qui travaille à la mairie de Nogent-sur-Marne et qui a aidé à cette commémoration si importante pour nous tous. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes connues, que je n'ai pas citées, ou inconnues, qui sont là et qui nous aident à vivre. Merci à M. Jarlot d'être présent. C'est mon ancien patron et j'ai vendu les appartements juste en face. C'est incroyable. C'est la seule chose que j'ai fait à nos gens, mais je l'ai bien fait, avec un collègue d'ailleurs. Monsieur Martin me dit que c'est très joli et j'en suis très content. Notre mère, Mireille, c'était comme un ange. On l'appelait Faïgelen, petit oiseau. Elle a subi une mort horrible, poignardée, brûlée, dans son propre appartement à Dachelem. Alors, nous ne nous tairons pas tant que nous laisserons des gens en liberté qui pourront utiliser leur religion, la drogue, pour tuer nos frères juifs, chrétiens et musulmans. Nous nous devons de demander des comptes à certains médias, à de nombreux politiques qui ont laissé se développer une telle haine sans réaction depuis de nombreuses années, la haine des Juifs et la haine d'Israël. Je vous rappelle qu'il y a 8 députés musulmans qui ont été élus et on nous parle d'apartheid. On a fermé les yeux et laissé ces gens impunis se radicaliser et passer aux actes. L'assassin de maman était multirécidiviste, comme celui de Sarah Halimi. On n'est plus en mesure d'écouter de beaux discours. Il faut passer, à mon avis, à une tolérance zéro, partout en France. Il y a trop de failles dans notre système. La justice ne remplit pas sa fonction et libère les assassins. Il n'y a qu'à voir le scandale Sarah Halimi et les bouffées délirantes. Une honte pour notre justice. Nous ne serons pas en paix tant qu'il y aura des possibilités de radicalisation via Internet ou via certains imams. Nos frères musulmans doivent agir. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous, association Mireille Knoll, souhaitons instaurer dans les écoles et pendant la semaine contre le racisme et l'antisémitisme, un 23 mars, où seraient à rappeler toutes les victimes du racisme. Et il y en a beaucoup. Nous ne voulons plus entendre que des Mireille Knoll, des Sarah Halimi, des familles Sandler, Monsenego, des pères Abel, des professeurs Samuel Paty, des commandants Beltrame, des policiers Clarissa Jean-Philippe, des soldats Mohamed Leguad, Abel Chenouf, Abel Mohamed Ibad, Ibn Ziaten, les victimes de l'hypercachère, du Bataclan, la petite Lola et tant d'autres. On n'en veut plus, on n'en peut plus d'entendre ces informations-là. On a eu un père déporté à Auschwitz. On a eu une mère assassinée de façon la plus monstrueuse qu'il soit. Et ça continue de ronger nos esprits. Notre mère avait un attachement très profond aux traditions juives et à Israël. Elle était un bijou de tendresse avec les amis et les gens qui venaient la voir, ainsi que celles qui s'occupaient d'elle. Les peines vraies, dit Balzac, sont en apparence tranquilles dans le lit profond qu'elles se sont faites, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme.
Merci. Monsieur le maire de Nogent-sur-Marne, messieurs et mesdames les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, merci d'être présents auprès de nous à l'occasion de l'inauguration de ce bel espace vert qui honore la mémoire de nos disparus. Je suis artisan de paix, de tolérance et d'amour de mon prochain depuis 50 ans. Je n'en demeure pas moins lucide et clairvoyant. Notre chère maman Mireille Knoll a été assassinée et immolée parce que juive. Notre regrettée Sarah Halimi a été massacrée parce que juive sans obtenir justice. Nombreux, nous ne les oublions pas, ont été les victimes innocentes de la haine antisémite. Mon ami et frère, Arnaud Beltrame, a été égorgé par la monstruosité islamiste le même jour que Mireille Knoll. La haine et la monstruosité ne sont qu'une seule et même tare inhumaine. Cette férocité n'a que trop tué, car elle massacre sans distinction et sans pitié les musulmans, les ahmadis, les chrétiens et les juifs, les femmes, les enfants, et les anciens, ainsi que tous les hommes et les femmes qui ne se soumettent pas à sa volonté. Et cette abominable engeance diabolique est parmi nous, autour de nous, jusqu'au sein de notre Assemblée nationale. De l'extrême droite, je n'ai plus aucune illusion. Mais je n'oublie pas qu'en juillet 2014, à Sarcelles, le sieur Carlos Martins Ilongo, aujourd'hui député LFI, a participé à une manifestation au cri de mort aux juifs qui a tourné au pogrom avec incendie des magasins appartenant à des juifs et lynchage de personnes supposées juives dans les rues de la ville et l'attaque de la synagogue. Que son nom soit maudit et effacé de la mémoire des vivants. J'exprime également une pensée émue et fraternelle pour nos soldats tombés au Mali, victimes de l'islamisme radical. Cette inhumanité n'épargnera aucun de nous, aucun de vous, si nos dirigeants n'y mettent un terme et dessillent leurs yeux afin de voir et accepter la réalité telle qu'elle est. Protégez vos mamans, préservez vos enfants et ne tournez jamais le dos face à vos futurs bourreaux. Merci à vous, monsieur le maire, pour le respect que vous et votre ville portez à la mémoire de nos mamans. Que vive notre France, notre République et notre démocratie. J'ai dit. J'invite maintenant Monsieur le maire, Stéphane Guiton,
messieurs Tunnel et monsieur Attal à se rendre auprès de la plaque commémorative que nous allons dévoiler. Ce moment solennel sera accompagné au violon par le violoniste Charles Rapoport. C'est la seule fois que je suis venu à deux jours.